Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver et de partager avec vous les émotions du grand quiz des 24 heures. Moto! Parfait! Merci d'applaudir comme il se doit, Mathieu Lagrive. Bonjour ouais, Mathieu! Bonjour! Ça va Mathieu? Très bien, merci. Et mesdames et messieurs, Sylvain Guintoli. Bonjour Sylvain. Bonjour. Voici tout de suite la première question. Quelle marque a le plus de fois gagné les 24 heures moto depuis... Attention, je n'ai pas terminé la question. De façon, depuis 2010. Depuis 2010. Ding, ding. Ouais. Oui, Sylvain. Kawasaki. Mesdames et messieurs, c'est une bonne réponse de Sylvain Guintoli qui ouvre le score avec 4 victoires pour Kawasaki depuis 2010. En quelle année a eu lieu la première édition des 24 heures moto, Mathieu Lagrive? 78. Tu es sûr? Certain. Sylvain? Au Mans? Aucune idée. Aucune idée. C'était bien 1978, je vous l'avais dit. C'est un match très serré. Pour l'instant, un partout. Petite question subsidiaire, qui gagne en 78? Ils étaient deux déjà. Bravo. Ils étaient deux à l'époque. Ouais. Là, j'ai me tâte, Léon... Oui, Christian Léon et l'autre. Christian Chemarin. Un certain. Oui, Christian Léon, Jean-Claude Chemarin. Sylvain, faire les 24 heures moto à deux, ça te plairait ou ça te paraît aujourd'hui non, difficile? Ça me branche pas du coup là. Mathieu, tu les as déjà fait à deux ou pas? J'ai jamais fait, ouais. 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 Et alors ça pique. Et ça pique énormément. Ouais, ça pique. 8 heures, c'est jouable, 24 heures, ouais. Donc c'est une autre. 8 heures déjà, tu prends cher, 8, 24 heures, tu dois vraiment être défoncé. C'est, hein, c'est cuit. Ah. Ouais. J'ai eu la chance que ce soit mes coéquipiers qui m'ont remplacé aussi. Ouais. Bon, attention en matière de pilotes, à ce propos, puisqu'on parle de pilotes. C'est la troisième question. Attendez que j'ai terminé de vraiment formuler la question pour appuyer sur le buzz ou sur le ding, comme vous voulez. Citez les deux pilotes qui ont... Qu'est-ce que j'ai dit? Ça marche pas la dire. Les deux pilotes. Voilà, citez les deux pilotes qui ont gagné le plus de fois les 24 heures en moto. Mathieu. Alex Vieira, ouais. Et Grégory Leblanc. Sylvain. J'aurais dit Alex Vieira. Et après, j'aurais dit, je sais pas, j'aurais pas bon, dit Leblanc. Bah en tout cas, c'est Mathieu qui a raison. Ouais, ouais. Deuxième point avec Alex Vieira et Grégory Leblanc. Tous les deux, d'ailleurs, sont des quintuples vainqueurs de ces 24 heures moto. Bon, les amis, devant vous, il y a 3 petites planchettes. En fait, ce sont des photos qui ont été plastifiées. Vous allez tous les trois partir de maintenant retourner la première. Et la question est, cette moto, c'est quoi? Bon, si vous ne me donnez pas l'année de sortie, ça ne me dérange pas trop. Au moins, la marque. Sylvain. Aucune idée. C'est pas ça. Non, Mathieu. C'est pas ça. Bah, il a des freins à disque quand même. Oui, elle avait des. T'es sûr ou des freins à tambour? Je sais pas. D'abord, avait-elle des freins? Je pense que oui. Bon, allez, pas. Je vais vous aider un tout petit par peu. Par contre, elle tire court, quoi. C'est pas un chauffe-eau? C'est pas un chauffe-eau non plus. Vu la démule. Elle tire court. L'année de mise en circulation, 1907, quand même. D'accord. Il y a un prénom et un nom dans la marque de cette moto. Monégoyon. Non, c'est pas ça, ça aurait pu être cela. Sylvain Guintoli suggère une Dominique Mélian. Non, c'est aucune pas idée. Ça non plus non. Oh là 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 là. Bon allez, je vais vous donner encore un nouvel indice pour essayer de marquer un point. Comme il y a un prénom, un nom, le prénom est Paul. Ça ne dit pas grand chose. C'est pas une Tourtelle. Non, c'est pas une Paul Théro non plus. Bon, vous ne marquerez pas de point ici. C'était la Paul Buard de 1907. Non. Voilà. Allez, on va soulever tout de suite la deuxième photo. Vous êtes prêts? On le fait. Top, maintenant. C'est parti. Cette moto, c'est quoi? C'est une BM. Bon, là, on va dire un partout. Hein. Vous 40, l'avez dit ensemble. 45. 45, c'est pas ça. Sylvain, non, ton avis 1924. C'est pas ça. C'est un peu moins ancien. C'est allez, vite fait. Qui veut essayer 65, de allez. 65, non, 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 c'est bien avant. Non, c'est une 32 alors. Ah, c'est presque ça, Sylvain. 31. Non. 33. Oui, voilà. C'est bien. Sylvain voilà. Guintoli marque et le point qui lui permet de revenir au score avec Mathieu Lagrive de partout. On va maintenant, putain, attention, soulever la troisième petite soleil, photo, les amis. C'est vrai que là, avec le soleil, ça te gêne un petit peu, Mathieu. Là, ça, troublé, là. C'est pas grave. Voici la troisième photo. On la retourne maintenant. Vous allez reconnaître une. Ah, de Kawasaki. Bien. Elle est de quelle année? 13. Non. Non, 17. Non, non, non plus. Ah là là. 16. Oui. Mesdames et messieurs, Sylvain Guintoli. Avec celle-là alors. Marque le troisième point. C'est attention, Mathieu, c'est... tu es mené. C'est la moto, je l'ai pas reconnu. Ah oui, bah, c'est incroyable. C'est la moto, il ne la reconnaît pas. Voilà. C'est comme ça. C'est ah soleil. Là 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 là. Insolation. Vous avez une feuille devant vous et un stylo, les amis. Et moi, j'ai ma montre. Ta-ta-da-da. Attention, il va falloir que vous preniez ce stylo et que vous m'écriviez 15 secondes pour cela.
le plus de pilotes vainqueurs des 24 heures moto. Je vous laisse réfléchir un petit peu, attendez, bougez pas, je vais juste attendre d'être... Arrête Mathieu, attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Je fais comme à l'école, je vais voir par-dessus les épaules de nos pilotes, savoir si c'est pas mal. Ah, et quand même, je vois des noms sympas, hein. C'est bien. Ouais, attention, top, c'est fini, je relève les copies. Bon, allez, hop là. Merci. Ah oui, si, alors, Christian Léon, ouais. 1, Chemarin, 2, Vincent Philippe, 3, Leblanc, 4, Lagrive, 5, Hervé Moineau, 6, Olivier Four, 7, Alex Viera, 8, je valide. Sylvain Guintoli, Viera 1, Leblanc 2, Loris Baz, non. Non, c'est non, Manico non, qui non, est... Non, 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 il n'a pas gagné. Hein. Jérémy Guarnoni, ouais. Lagrive, ouais, ça fait 4. Greg Leblanc, évidemment, oui. Et Vincent Philippe, ça fait 6. Et mesdames voilà. Et messieurs, 8 pilotes pour Mathieu Lagrive qui marque ici un point. J'ai pas écrit en plus. Hey, les amis, vous êtes à 3 partout. Bah, même, je trouve que égalité, c'est bien. L'heure est venue de célébrer ce résultat par un podium extrêmement sobre. Autrement dit, la distribution des bouteilles. Voilà, vous avez gagné une bouteille d'eau. Superbe. C'est un magnifique trophée. C'était le grand quiz des 24 heures en moto. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci Mathieu. Je vous en prie, merci à vous. Bon, bah, bonne poursuite dans tes activités, naturellement. Il n'y a pas que la moto maintenant. Hein. Et j'ai envie de dire et de passer un message à Gérard Jolivet, détenteur du record de participation. 25, tremble Gérard, Mathieu arrive. Sylvain, tu as un certain parcours avant de passer le cap des 20 participations, mais déjà une première, nous, ça nous fait super plaisir. Non, ça va être un peu compliqué là. Ouais, à très bientôt. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Vive les 24 heures moto, à très vite. Merci.